Parfois, il faut que t'en perdes, hein. Dommage, parce que c'est une game où on aurait un peu plus amusé avec Brandia, quoi. Mais non. Après, là, si je proc sur Mayenna, à tout moment, on peut la renverser, la game, hein. À tout moment. Salut YouTube, comment tu vas? Bah écoute, maintenant que tu me le demandes, moi ça va, super. Bah écoutez, petite vidéo de RTA que je vais vous présenter. J'ai pas trop d'intro du coup, voilà. En plus, mon chat était là, donc parfait, comme ça, pas mal de gens pourront le voir. Et bah du coup, en plus je reviens du sport là, comme ça. Du coup, tout ça pour vous dire que, voilà, je suis désolé, il y a l'icône Red Shadow Legends en ce moment sur mon live. Donc vous le verrez durant cette session. Désolé pour ça, hein, parce que bah, il faut bien que je vive de ça. Et du coup, bah, ça va un petit peu cacher l'écran, mais normalement c'est tout petit, donc ça devrait pas trop vous gêner. Mais comme ça, voilà, je suis désolé pour ça, et au moins je le verrai pas dans les commentaires. Et du coup, bah écoutez, une agréable vidéo. Ciao! Ça ferait plaisir de gagner avec Brandia pour une fois. Ah putain, le sondage emoji, j'avoue, c'est du 14-14. Ah, c'est grave. Après, je pense que c'est des gens qui ont un petit peu troll vers la fin, pour me faire chier. Hein? Je vous vois, hein. Par contre, ça aurait pu être chiant que le Wussa mode speed, parce qu'il aurait limite pu tuer mon Poséidon. Enfin, je pense pas en vrai. Je pense pas qu'il l'aurait tué. Je vais quand même faire ça comme ça, j'ai pas envie de seal pour l'instant. Check. Je pense que je tue la Juno parce qu'elle a revenge. Elle va jouer avant, je pense. 40 000. Je prends ça. J'ai fait une game victoire avec Brandia, putain. Ça, c'est beau, ça. Trop de tours par rapport à lui. Parce que s'il est en full swift, je pense qu'il me prend trop de tours. Et en full swift, il fait plus de dégâts qu'une Jyana. Sur les skill 1 et tout, parce que c'est en général des dégâts supplémentaires de la speed. Je pense que c'est que mettre Tiana ici, on verra bien. Tu peux shooter runes de Tiana seconde? Ouais, carrément. 1, 2. Je rigole, ça va, t'inquiète. Et du coup, ouais, dans 5 minutes, il y aura le tournoi Amazon. Donc, je rappelle une petite dernière fois aussi. Point d'exclamation raid, si vous voulez me soutenir en faisant le tuto vite fait, ça prend vraiment 2-3 minutes et ça me paye plus qu'un sub pour être honnête. Donc si vous êtes d'humeur à me soutenir pour ça, n'hésitez pas, ça me fait grandement plaisir. J'ai pris un Jogoon ici. Je pense que je vais partir sur un Jogoon Kaki, non? Pour gérer le... Enfin non, peut-être pas Jogoon, j'aurais peut-être pas dû prendre Jogoon. Pourquoi autant de dégâts crit sur Diana, mais quasiment... Tu parles de Tiana? En fait, Tiana, maintenant, elle a été buff, et elle a un passif qui fait que son attaque va d'office être un coup critique si en face, il n'y a pas d'effet bénéfique. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'auto-crit si tu sais que tu vas taper sans effet bénéfique en face. Et du coup, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je skill 3, into tableau, et du coup, je peux skill 2 derrière, et du coup, forcément, il n'y a pas de debuff parce que j'ai strip. Ou alors skill 3 into réduc ATB into skill 2. Et du coup, il n'y a pas de debuff non plus parce que j'ai réduc ATB et je rejoue avant. Ça fait quand même beaucoup d'eau pour du triple feu. J'avoue que j'ai peut-être un petit peu troll. C'est très possible que j'ai un petit peu troll. Ouais, de toute façon, je banne quand même ça. C'est trop fort. C'est trop fort, ce mob. Là, ça va dépendre de sa speed. En vrai? En vrai, je pense que je suis pas si mal si la navelle proc pas. C'est le problème. Est-ce qu'il mérite d'être ça? Résistance. Je dois quand même faire ça. Normalement, la Nefty's Cut, de toute façon. Donc là, je peux tout silence. Proc pas, proc pas, proc pas, proc pas. Tu proc pas? Non, j'ai dit non.
Évidemment. Putain, tout serait mort là. Évidemment, elle proc aussi! Tu me casses les couilles! Oh, la résistance into proc! Putain, into proc encore! Into proc encore! Tu es fort au jeu! Désolé d'avoir dû douter de toi. Et moi j'en ai aucun qui a proc quoi. Putain, si le Kaki avait proc, ça aurait été pas mauvais quoi. Mais si. Arrête! Tu arrêtes! J'ai dit non. Il a fait 4. 4 monstres. Évidemment pas de proc hein, de mon côté, hein, je le rappelle. Pas de proc, c'est grave. Et il crit avec son truc à forcément 85% au crit, hein. On s'en doute tous. Hein? Avouez. Vous êtes sûr, hein, de ça? Un petit proc, enfin, voilà, c'est gentil. C'est un petit peu tard, quoi, tu vois, mais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ok, je pense que j'ai quand même allé le break attack pour l'instant. Pour le silence aussi. En vrai, est-ce qu'il y a un monde où je gagne? Si je reproc avec Neftis. En vrai, si je reproc avec Neftis ici. Ah, ça a été beau. Ah, ça a été beau. T'as la chatte du mec quoi. La chatte du mec. On part peut-être sur un autre petit Exodia là. J'ai envie de partir sur du Murchongpong cette fois-ci pour un petit peu changer. On est d'accord que si comme toi sort pas d'Event ce lundi, on va vraiment s'emmerder sur le jeu, non? Ouais, j'aimerais bien un event aussi. En fait, j'aimerais bien un event rune, pour être honnête. Même si, en fait, c'est paradoxal parce que j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas, mais j'aimerais bien être au courant s'il y en a un ou pas, quoi. Je sais pas si ça a fait du sens du coup tout ce que j'ai dit. Je pense pas, mais oh le Verdi Revenge. Est-ce qu'il a les dégâts? Si je lui banne Verde? Et que son frégate mode speed, est-ce qu'il a les dégâts? J'ai pas envie de. Oh, la draft à 50-50 Verde, ça va être chiant, non? J'aurais dû tenter. Et au pire, s'il revenge, on verra bien s'il aura eu les dégâts ou pas, quoi. Le pirate d'Event Rune doit être horrible avec toi pour tous les avec tous les flexeurs. Mais surtout quand t'as rien. C'est ça le problème. Surtout quand t'as rien, quoi. Et c'est bien ça le problème, c'est que je n'ai rien. Qui va faire ça comme ça. Faire ça comme ça. On n'a pas eu le plus important. On n'a pas le choix, il faut faire ça. Hein. Et au moins il revenge pas, c'est toujours ça. Pas de break attaque, dommage. Oh, il est tanky, putain. Il est tellement tanky son truc. Par contre, ça va qu'il revenge pas, hein. Il fait zéro revenge. Je sais pas s'il en revenge par contre. Ça a l'air chelou, non? En vrai, il est d'office en revenge. Il a pas de chance pour le coup par rapport à ça. Il s'est bien invoqué, mais il a pas de chance en combat. À part s'il proc ici. Ça va.
Je pense que c'est. Ça peut être worse si on y arrive. Et si on tue l'Oliver aussi. Il fait zéro revenge, frérot. J'en viens vraiment à me demander s'il est vraiment en revenge. Il était. Alors, j'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien savoir s'il est en revenge ou pas, parce qu'il a fait zéro revenge de tout le combat. De tout le combat, il a fait aucun revenge, pas un seul. Merci beaucoup, Zmems, pour ton prime. Merci pour ton troisième mois, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée. Quoi, le VIP à 400 000 points? En gros, c'est juste une petite icône devant ton pseudo qui te dit que t'es VIP sur la chaîne, hein, en gros. Et quand je le compte, ça fait chier mes teams. Et en plus, il a de l'aspic. Ça, c'est chiant. Parce que si je pars sur le principe que je banne potentiellement son E-Gang, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Mais je peux partir sur le principe que je banne pas E-Gang en vrai, là. C'est moins grave, entre guillemets. Je vais faire ça comme ça. Avec Triton plus Tiana, c'est deux monstres qui counter E-Gank. Parce qu'il y en a un qui boost sa TB suffisamment pour que ça cut pas le E-Gank. Et il y en a un qui réduit sa TB suffisamment pour que ça cut pas avec E-Gank. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. C'est sur plaisir. Et merci pour le raid, les deux raids du coup. Merci beaucoup les bros. Pour ceux qui sont intéressés, ça prend vraiment. Honnêtement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Et donc, si vous avez le temps et que vous prenez le temps, bah, je vous serai reconnaissant. Et en plus, vous pouvez gagner un pack à 100 balles. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour ceux qui souhaitent me soutenir et qui n'ont pas spécialement de quoi payer un sub, ce genre de choses. Moi, sachez que je gagne presque l'argent d'un sub. Hein, enfin, je gagne presque plus que l'argent d'un sub sur un tutoriel que vous finissez. Je vais faire ça comme ça. On n'a pas fait ça comme ça du coup. Malheureusement. Cool kernel cut. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Mais au moins on a ça. C'est toujours ça. Elle est en double name. Elle est en double name, on s'en fout un peu d'elle. Je vais à la fond là-dessus. Elle pourra pas proc vu qu'elle est en double name. Et là je pense que je skill 2, parce qu'ils sont tous low stun et tout, là donc ça sert à rien. Ah, du coup, il peut le faire. Après, ils ont tous anti et tout. Je pense pas que ça soit si grave, si. Au pire, je peux en voler en plus. Là, je la tue quand même. Je la tue pas. Oh, il proc. Ah, j'aurais quand même dû tuer la Fran. J'ai quand même troll là. Et comme elle est slow, je rejouerai pas avant. C'est ça le problème. Mais je dois quand même le faire ici. Malheureusement, je dois quand même le faire ici. Ça me fait un peu chier. C'est vrai que j'arrive à silence le carnal. Ok, ça c'est pas mal par contre. C'est pas mal du tout. Ok, ça c'est insane par contre. Ça c'est insane par contre. En vrai, les gangs on s'en fout. Ah, les dryades! Ah ouais, mais non, mais en fait, une dryade ça n'a pas assez de fonction derrière, tu vois. Tiana elle fait des bons dégâts, tu vois. Si tu prends un dryade juste pour le streak qui touche pas, je pense pas que ce soit. Worse. La Diana est comme ça. T'as quand même plus 650 de défense. Qu'elle garde en forme humaine, ça fait one shot. Je vais quand même prendre ça. Si c'est le post de Reddit sur les achats avec les pièges, n'achète plus de runes que de la daube, go l'énergie. En vrai, c'est de la RNG, tu vois. Ça se trouve, ton énergie, t'auras rien sur ton énergie. Tu vas dire, bah, c'est que de la double énergie. Go vélin mystique. Sur le vélin mystique, t'as rien, t'es là, mais c'est de la double vélin mystique. Go vélin inconnu, en fait. Et non, ça, c'est juste le jeu qui est comme ça, quoi. Ok, monsieur est parti sur le dos. Merci pour les raids, les gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup, frérot. Bah, c'est écrit Someone, mais dans tous les cas, je vous verrai sur le Discord. Je verrai ceux qui l'ont fait sur le Discord directement.
team de merde. Bon, le Wedge, je m'en fous. La Juno, je peux la gérer. Kinky, par contre. En vrai, je prends. L'Antiléo, limite. Genre, non, un Kinky Antiléo, là. Mais je pense que si je prends Kinky Antiléo. Kaki, pardon. Je banne quand même Kinky, non? Qu'il est relou. J'aurais peut-être dû prendre Elena, c'était mieux. Ouais, je pense que je fais ça comme ça. Bon, il le ban, ok. Yonamimu, comment tu vas, frérot? Et Yoyan! Question du coup pour te raid, y a rien à faire d'autre que de finir le tuto? Non, rien d'autre. Juste, par contre, il faut que tu télécharges le jeu par rapport à mon lien, quoi. Si tu l'as pas fait par rapport à mon lien, ça va pas marcher, quoi. Tu comptes jouer à Elden Ring? Non. Pas le genre de jeu du tout auquel je joue. En vrai, ça me dérange pas que la Diana cut. Il se trans. Ouais? Mais frérot, mais tu fais quoi? Je vais me boost, hein, tu sais quoi? Ouais, bien sûr, là. Et double Glen, ça me va. On silence ça. Là par contre, faut pas qu'il proc cette fois-ci. Ok. Neftis finit ça et. Et la genou pas solo. J'ai pas compris sa transformation avec Diana, pour être honnête. Il pouvait vraiment la gagner, hein. C'est ça le pire. Si là il se transforme pas avec Diana, il met juste un shield. J'ai pas compris. Le pauvre Shesu qui a une Nana direct dans le vélin. Après, je pense que Shesu en termes d'invocation, c'est pas le genre de mec que je vais plaindre. J'avoue, hein, c'est pas trop. Pas trop selon toi, mais pour moi, c'est pas vraiment un mec que je vais plaindre en termes d'invocation. Un petit peu de flat attack, surtout du coup ici. Flat attack aussi, du coup ici. Un petit peu de multi. C'est clairement pas mes meilleurs artefacts parce que il en a moins besoin que le reste. Mais comme ça, il fait des trous damage. Et honnêtement, honnêtement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien comme ça. Pour quel chat? 25-25. 25-25. Moi, je pense que je fais comme ça. Hein. Mon meilleur contest. Parce que là, tu vois, il a pas beaucoup de stats offensives. Il a plus de 540 d'attaque avec 40 d'autocrit. Et pourtant, il met des petites patates parfois, hein, mine de rien. Et ce qui est cool avec les dégâts bruts des artefacts, c'est que si genre t'as un Antares, il lui reste 2000 HP, bah avec tes artefacts, tu peux te dire que même si tu glances, tu pourras le tuer, tu vois. Que j'ai les dégâts déjà. Ça va être le plus dur ici. Normalement, je les ai, hein. Résistance. Non, c'est pas trop grave. Je tente de la rééduquer KTB en vrai. Ok, c'est passé, parfait.
Bon là par contre je prendrai plus une Tiana vu que je sais qu'il a Tien Long alors que c'est écrit en gros sur sa PP, enfin c'est visuel plutôt. Du coup je prends un Sekhmet, ça c'est plus safe. C'est le pétou, le vrai, en personne. Waouh, la chance. Comment là, ma Elena elle est anti-Léo. Ma Elena elle est anti-Léo. Faut que j'apprenne à parler mais ça c'est un autre débat. Oh, c'est une game Miles, non? J'ai comme l'impression que c'est une game Miles. Mais pourquoi je mets Diana? Je sais qu'il a Tien Long, mais putain, je suis con aussi, hein. C'est grave! J'ai une mémoire de poisson rouge quoi, 5 secondes plus tard. Oh putain, il a Tien Long, merde! Oh merde. Là, c'est le syndrome du streamer où tu parles, t'as des sujets différents et et t'oublies quoi. Ouais, j'avoue que la Diana elle était pas giga smart. Après, je pense que est-ce que je banne Tien Long du coup? Oh. Ça fait chier de banne Tien Long pour ça quoi. Hein. Je t'avoue. Parce que je vais mettre ça et je le banne quand même du coup parce que ça counter un peu Abelio aussi. Et je me sens pas si mal que ça contre ça j'imagine. Tout le monde Tien Long, non mais c'est le même mec que le dernier. Après j'avoue qu'on en a eu beaucoup des Tien Long aujourd'hui, mine de rien. Sans prendre lui en compte. On a eu quelques-uns. Iban Sekhmet, ok. Il avait peur de se faire reset le mot long, j'imagine. On prend les speed, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est qui mon focus? Je pourrais pas focus suffisamment le mot long, donc je vais devoir le laisser faire son skill 3. J'aurais pas trop le choix normalement. En vrai, là, je peux peut-être partir sur un strip quand même, une Toon F6. Ça me dérange pas, là. Est-ce qu'il strip pour aller silence Madiana? S'il silence pas Madiana, je one-shot le Moulong. Hein. C'est prévenu. J'ai pas d'insta. Malheureusement, j'ai pas d'insta. J'ai pas crit. En vrai, j'y vais là, même si potentiellement il me silence et tout, il faut vraiment que j'aille là. Et je pourrais aller finir avec le Miles. Enfin, avec Tiana en fait. Ok. Là, on peut la soigner. Faut que j'arrive à la garder en vie un tout petit peu là, en gros. 20 dieux les dégâts! Vendu en effet. Je sais même pas si c'est worth d'avoir un trade kill. J'étais à la fond sur la Rylee, parce que si je la tue, on peut gagner directement comme ça. Bon, c'est un bon crit en plus. Si je tue la Rylee, il a plus de sustain et le reste fait le taf. Ça comme ça, il va tuer ma Diana, mais c'est normal. Faut que j'arrive à tuer cette Rylee. Ah, j'ai pas réussi. Ah, si, ouais, je crit. Ok, nice. Ah, j'ai double crit. J'ai double crit. Normalement, là, maintenant, Miles plus Abelio, jamais je perds, là, pour être honnête. Bah, j'espère, sinon j'ai surestimé les monstres. Sinon j'ai clairement surestimé les monstres. Mais non, mais jamais je perds là. Jamais je perds là. Mal c'est trop mal en fait. Contre des monstres comme Akroma, comme Kinky et tout. Je vais entamer la Juno parce que je vais finir la Akroma avec l'autre.
Ok, le petit Malte qui fait le taf, hein. Bon, j'avoue que c'est surtout Abelio, je pense, qui a fait le taf. Et du coup, le trade kill avec Molong était pas dégueu. Après, j'ai quand même des bons crits sur la Rayleigh, quoi. Ça me va. Le C1, aucune idée, désolé. Aucune idée, désolé. J'ai trop envie de jouer Charlotte, mais c'est un peu du hint contre une Juno. Dans les premiers picks, en tout cas. Et je peux pas trop prendre un Poséidon contre une Diana. Et je peux pas trop prendre un Kaki maintenant, c'est trop tôt aussi. Ouais, mais Branzia contre une Juno. On tente? je pense que c'est du hint. On va tester, ok? On va tester. On va tester. Et Kang, c'est relou. Léo. Il ban Tiana, non? Est-ce qu'il ban Tiana? Est-ce que je m'en fous pas de son Megang en vrai? En vrai, je fais ça. Ok, gang, je m'en bats les couilles en vrai des gangs. Je suis même pas sûr qu'il banne Tiana en plus. Après le Glancing sur Elena et tout, ça va être relou quoi. C'est quoi, je le fais quand même. Il banne quand même Tiana, ok, malgré tout ça. Je prends une attaque feu. Prends une attaque feu. Potentiellement, tonks un petit peu. Mais la rage. J'hésitais à banner les gangs, mais je. Ça me paraissait bizarre qu'il banne quand même une Tiana alors qu'il y a une team qui pouvait tanker Tiana normalement. Parce que souvent, ces gens-là, ils mettent des gangs et derrière, ils font pas ça. Oui, il a un Leo en double heal. En tous les cas, je comptais pas vraiment le strip. Enfin, je comptais pas le seal, en fait. Ça, chez nous, je joue avant. Oh, le stun sur Elena, par contre, il est relou. Je vais laisser faire son truc, hein, tant pis. Là, s'il se transforme, je le cut anyway. J'espère juste là un petit peu qu'il mette pas trop ses glancing dans tous les sens, quoi. Ça m'arrangerait. Oh, il les a tous mis. Il a encore stun disper. Putain, c'est trop chiant ce set. C'est débile ce set disper, quoi. Ah, c'est un Froakelena qu'il me fallait. Froakelena ici, il était dingue. Il était vraiment dingue. C'est pas grave. On peut encore le faire là. Pas un proc Diana du coup que je vous laisse. Plutôt Elena en fait. T'as confondu les deux poneys, je t'en veux pas trop, mais. Un peu quand même. Un peu quand même. Voilà, ça va être compliqué là. Oh, il crit en plus. Oh, ouais, la totale, quoi. La totale, quoi. Ouais, bon. Comme ça, hein. Parfois, il faut que t'en perdes, hein. Dommage, parce que c'est une game où on aurait un peu plus amusé avec Brandia, quoi. Mais non. Après, là, si je proc sur Mayenna, à tout moment. On peut la renverser la game. Hein. À tout moment. Elle va partir très très vite. Hein. Beau revenge, mais il a pas réussi à me stun, donc ça c'est pas mal. Ouais, j'ai quand même tapé la Juno, je pense. Aïe 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 aïe. Elena. Toi par contre tu voulais la gagner cette game. Et en plus elle stun le Egang et tout derrière. Ah ouais, c'est joli. C'est joli. Aïe aïe. Pour une question en privé, tu peux me poser la question si tu veux. Est-ce que j'arrive pas à comprendre à quoi consiste le glancing si jamais tu as une explication, merci.
Bah le glancing, attends. Y a Tito qui a fait une vidéo sur le glancing. Mais en gros, le glancing, c'est un debuff qui fait que tu as des chances de faire un coup glancing, et donc tu as 50% de chances de faire un coup glancing. Le coup glancing, ça fait que tu fais des dégâts moindres de 30% jusqu'à 46% sur l'élément opposé, donc c'est quand même beaucoup de dégâts en moins. Et en plus de ça, bah, tu ne poses pas tes debuffs sur un glancing. Par contre, évidemment, c'est 50% de chance hein, de faire un coup glancing, donc ça trouve, tu vas faire des coups normaux pendant tout le long de ton debuff, quoi. Ok. Ça comme ça. Lui, il a Anjiana. Et je sais plus quoi d'autre. Donc faut que je le speed en gros. Faut que je le speed en gros. Enfin, j'aimerais bien avoir une Tiana en Nemesis quand même, mais je l'ai pas. Parce que je sais qu'il a la Tiana. Parce que je peux faire le combo Jamir, Tiana pour Counter Strike Sekhmet. Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué pour ça, pas cliqué malheureusement. J'ai cliqué aussi sur le verdé là. C'est parce que je joue sur émulateur. Si tu joues sur mobile, tu cliques à ce moment-là, c'est pas un problème. C'est pas un problème si tu cliques à ce moment-là sur émulateur. Là, sur mobile. T'abuses? Non, en vrai, j'avais encore le timing. Hein. C'est pour ça que vous m'entendez souvent cliquer 2-3 fois à chaque fois. À chaque clic. À chaque action, je clique 2-3 fois sur le truc parce que bah, sur émulateur, c'est pas ultra. Réactif. Bon app, hein, Bubble. Et bonsoir, Tamiboul. Bon, là, je t'avoue que je pense que je vais me faire défoncer, par contre. Ma team n'a pas beaucoup de sens. Ah, j'ai beaucoup de feu contre un Oliver, hein, à tout moment. À tout moment, ça passe, hein. Ouais, autant le faire ici, c'est pas très très grave. Qui est-ce que je seal? Le Oliver? En vrai, je fais le Oliver, je pense. Et je défends son tableau, je pense. Par contre, je vois pas comment on l'a gagné celle-là. Je vois pas comment on l'a gagné celle-là. J'ai fait des pics au hasard. Hein. J'ai vraiment fait des pics au hasard hein, là.